Salut à vous tous, chers abonnés. Ça y est, nous y sommes avec ce paysage à couper le souffle depuis le coteau de Seine, tout près du charmant village de La Roche-Guyon, le plus beau village francilien. Bon, franchement, ici, on est vraiment dépaysés et émerveillés par ces points de vue absolument superbes. Donc, c'est très certainement les plus beaux points de vue de la région parisienne. Alors, ici, on revit. On respire le bon air. Alors ici, récemment, il y a eu quelques campings sauvages, hein, comme vous pouvez le voir. Alors normalement, c'est interdit, hein, puisque c'est un site naturel protégé. Mais enfin, c'est vrai qu'ici, c'est un peu le lieu idéal pour y passer la nuit. Hein. Il n'y a pas photo. Alors évidemment, ça se mérite, hein, pour accéder à ce genre d'endroit, hein, car le terrain est vraiment assez escarpé, donc il y a danger aussi, car ce n'est pas forcément très stable. Hein. Alors, j'avais déjà filmé ce lieu, hein, il y a plusieurs mois, mais ce lieu est tellement magnifique, hein, que je suis obligé de refilmer. Hein. Donc là, maintenant, nous allons reprendre la route, hein, pour regagner le GR2 des boucles de la Seine, hein, que nous avions parcouru il y a 2 mois, hein, pas très loin de Rouen. Donc cette randonnée a été également magnifique, hein, avec les nombreux points de vue et nombreuses grottes troglodytes. Hein. Mais ce n'est pas encore terminé, chers amis, hein, car il y a encore d'autres destinations à faire, hein, entre Vernon et Rouen, comme les Andelys. Hein. Une destination qui est prévue prochainement. Alors, par contre, là, il faut vraiment se concentrer. Là, il y a une bestiole, hein, comme vous pouvez le voir juste là. Alors, j'ignore ce que c'est, mais dans le doute. Alors, oh là là, bon, je vais peut-être couper la vidéo, je ne sais pas. Ouais, ici. Alors, on pourrait découvrir d'autres grottes troglodytes, hein, dans les environs, et c'est pour ça que nous allons pas trop tarder. Déjà, il va falloir remonter la petite côte très abrupte. Ah oui, maintenant, il va falloir tout remonter et regagner ce GR2 des boucles de la Seine, hein, qui relie d'ailleurs la Côte d'Or, tout près de Dijon, et ben jusqu'au Havre, hein, en passant évidemment par la capitale et Rouen. Alors là, nous nous trouvons juste au-dessus de ces grottes troglodytes. Voilà, nous sommes vraiment bien haut. Hein. Là, en fait, nous sommes à la frontière du Val d'Oise et des Yvelines. La Seine marque la frontière entre ces deux départements. Donc là-bas, vous avez le village de La Roche-Guyon, derrière la vallée de l'Epte. Sur votre droite, c'est vers Vernon, Bonnières-sur-Seine également, où on peut récupérer le train vers Mantes-la-Jolie. Et là-bas, c'est vers Mantes-la-Jolie. Donc vous voyez, il y a encore quelques falaises, hein, où on pourrait découvrir d'autres grottes troglodytes. Et donc, c'est reparti. Nous allons reprendre la route.
Donc là, nous découvrons de nouveaux belvédères qui surplombent la vallée de la Seine à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est clair qu'il ne faut pas avoir le vertige, ça c'est une certitude. Mais regardez, hein, les points de vue sont toujours aussi spectaculaires. Donc là, nous accédons à un nouveau piton rocheux. Et oui, il y a danger, hein. Ah oui, il y a une grotte en bas aussi. Donc je pense qu'on va pouvoir y accéder. Le vent commence à souffler. Eh bien, c'est finalement ici, perdu au plein milieu d'un bois sur un terrain escarpé, que va s'achever ce nouveau reportage. J'espère que ça vous a plu. Mais cette journée, elle aura été une fois riche en découvertes, mais éprouvante également, notamment sur le plan physique. Ok. Eh bien, maintenant, nous allons récupérer le bus 4-15-11 pur Mantelet, j'oublie. Oui, finalement, la deuxième grande troglodyte découverte, bah, j'ai pas vraiment pu la filmer vu que c'est un petit peu habité. Et honnêtement, c'est pas vraiment une surprise, hein, parce que le lieu est vraiment extraordinaire. Alors, forcément. Pourquoi pas créer son petit camp de fortune dans une de ces grottes troglodytes perchées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la Seine. Voilà. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et n'hésitez toujours pas à me suivre. Ciao.